Salut, c'est ton chumming. J'espère que tu passes une belle soirée. Aujourd'hui, c'est le 23 octobre. On est en train de faire une revue de films. On les fait souvent en anglais. On en fait pas assez souvent en français. Fait que j'ai décidé d'en faire une en français. La vidéo qu'on va faire, le film qu'on va revoir ce soir, c'est un film qui s'appelle Disparu. So, Disparu, qu'est-ce qui m'a vraiment... Écoute, le film est excellent. Le film est... Oh, excellent. C'est un grand mot. Le film est bon. Qu'est-ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai vu un film. Dans le même style. Oh, il faut que je... Ok, attends une seconde. Une seconde, guys. Oh, nice. Oh, fuck yes, nice. Ok, cool. Ok. Parce que je suis en train de jouer à un jeu dans le background. Il faut juste que ça grind. Ça grind. Et puis, mais là, j'enregistre, tu comprends? Fait que j'enregistre deux choses en même temps. Multitasking. Écoutez, je suis fatigué, mais c'est ma dernière vidéo de la journée, man. Fait que je suis fatigué. Excuse. Fait que j'avais vu un film récemment. Il y a 2-3 ans. Puis le film était vraiment bon. Je pensais que c'était ça. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est le classique. Je me sens mal dire ça. J'étais un adolescent, une adolescente, qui veut faire sa propre vie, qui veut faire du party. Ma mère ou mon père, il est trop présent, il est trop inquiet, il fait trop son... Il se met pas ses affaires, il me donne pas de liberté. Fait que moi, je vais y aller. Dans le cas qu'on a présentement, c'est exactement ça qui se passe. La fille est adolescente, sa mère prend trop de place. Elle a perdu son père. Elle pense que son père serait plus cool, mais c'est pas si son père était pas là. Fait qu'il part en voyage. Puis là, il dit, « Hey, oublie pas de venir nous chercher à cette heure-là. » Fait qu'évidemment, la fille fait des parties, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire, elle s'amuse, c'est cool. C'est vraiment cool parce que c'est... Et le film est vraiment bon. Il y a beaucoup de défauts pour le film, mais c'est vraiment, mais vraiment bon. Comme par exemple, on va continuer avec l'histoire, je vais dire des fois après. Fait que là, elle est supposée d'aller chercher sa mère à l'aéroport, sa mère se présente pas. Là, sa mère, elle se rend compte qu'elle a disparu. On se rend compte que sa mère a été kidnappée. Puis on sait pas par qui. Puis on sait pas pourquoi. Puis on sait pas si c'est encore vivante. Fait que là, tu te dis, la fille, elle commence à se sentir méchante. Parce que là, elle se dit, ah, ben, j'aurais dû dire bye à ma mère. J'aurais dû juste dire je t'aime. Je l'ai pas dit. Elle va peut-être mourir sans que je dise je t'aime, sans que je dise bye. Épuisé. Il me reste une chose à faire, celle-là. C'est fini. Maintenant, le film en tant que tel, c'est une fille qui essaie de retrouver sa mère. Maintenant, les points positifs, j'ai beaucoup d'autres de l'histoire, mais on va aller avec les points positifs, négatifs. Les points négatifs, non, les points positifs. Le point positif, c'est que la fille se débrouille assez bien avec les ordinateurs, est assez au courant des réseaux sociaux, est assez intelligente pour dire, bon, mais faut que je fasse. Puis elle a une enquête. Elle regarde les caméras, elle regarde les emails, elle regarde les textos. Mais elle engage quelqu'un pour faire une recherche. Elle est vraiment, vraiment intelligente. Puis elle trouve beaucoup. Parce que le problème, c'est que la police. Et je me rappelle plus c'est où. C'est au Mexique. Peu importe c'est où. C'est dans un autre pays. C'est américaine. Dans un autre pays, fait que la juridiction, qui est la police, où les lois sont différentes. Parce que c'est ça, c'est que la police américaine peut pas interagir. Puis là, c'est une touriste qui dit, as-tu vu ma mère? C'est qui ta mère? On le sait pas, là. On sait pas c'est qui ta mère, là. C'est une touriste, là. Tu comprends? Fait que, qu'est-ce qui est cool avec le film, c'est vraiment ça, c'est vraiment jusqu'à où est-ce qu'elle va, elle trouve des informations, elle trouve des indices, elle trouve des mots de passe, elle trouve des emails, elle trouve des informations, puis c'est vraiment cool, puis tu te rends compte que qu'est-ce qui est vraiment cool avec le film, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que la fille est pas proche de sa mère. Bien souvent, elle s'intéresse à sa mère, elle te raconte un gars, elle s'en calisse, le gars, il s'en vient pour lui dire, hey, je vais marier ta mère, la fille, elle s'en calisse. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a plein d'affaires. Fait que, admettons, c'est vraiment touchant aussi. C'est vraiment, vraiment touchant. Par exemple, sa mère est fatigante. Mais vraiment fatigante. Et quand même, moi, je fais ça, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu deviennes la soeur-là. Petit patata. Classique maman, classique papa. Dans mon cas, c'est mon père qui était plus comme ça, tu comprends? Puis, là, ce qui arrive, c'est que... C'est année. Fait que là, tu te rends compte qu'elle ne sait pas beaucoup parler. Elle a jamais su comment elle se rencontrer, elle et son copain. Elle a jamais su, elle voit plein de messages qui disent à quel point la mère sait qu'elle pour sa fille. Fait qu'il se rapproche comme ça. Point positif,
C'est le monde qu'on découvre. Elle fait affaire avec un gars qui est super, super attachant, qui s'appelle Javier, qui est Xavier. C'est super touchant. Parce qu'encore une fois, c'est où est-ce qu'elle va pour aider sa mère, tu comprends? Point négatif, c'est beaucoup ça aussi. Mais c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est. Tu te rends compte que. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Mexique. Mais en tant qu'actrice, elle fait pas grand-chose. Elle reste dans sa chambre. La majorité du film, je dirais les trois quarts du film, dans sa chambre. Il a fait rien. Ben, elle fait rien. Et ses réseaux sociaux. C'est que oui, quand les réseaux sociaux, il arrive beaucoup. Mais là, c'est. Il y a un moment donné, parce que tu te rends compte. Attends, 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 attends. J'écoute mon écran. J'écoute une personne à travers mon écran qui regarde son écran. Au début, c'est cool. C'est. Exception. Après, c'est comme, oh mon Dieu, encore un email. T'sais? Fait que c'est extrêmement aussi répétitif. C'est, je regarde les emails, mais oh, mais c'est quoi? J'ai trouvé un compte secret. Je regarde les emails là-dessus. Fait que oui, c'est cool, mais c'est la même chose. À la fin du film, spoiler, ça va pas peine de regarder le film. Le film est bon, mais. Bon, incroyable. À la fin du film, tu te rends compte que le père qui était supposé d'être mort, c'est un criminel, que la mère, elle s'est enfuie, puis que son père est vraiment vivant, puis qu'il est dangereux. C'est lui qui a kidnappé la mère. Mais tu sais, mon problème avec ça, c'est que. C'est arrivé aux États-Unis, là. À part au Mexique, là, tu te rends compte qu'elle n'est pas vraiment partie. Tu te rends compte que sa meilleure amie était. Elle a présenté le nouveau copain. Tu te rends compte que le copain. C'était un ami de l'ancien mari. Tu te rends compte que la fille, c'était la. Oh mon Dieu. Tu te rends compte. C'est ça le problème avec le film, là. C'est compliqué, c'est trop compliqué. À un point, c'est pas intéressant. Tu comprends? Par exemple, le copain de la mère, ok, c'est un ami du père de la fille. Fait que là, il rencontre une fille qui est follement amoureuse de lui. La fille. Sa meilleure amie, c'est la mère de la fille en question dans l'émission. Fait que là, t'es comme, ok, ouais, mais c'est compliqué, là. Fait que c'est à un point où est-ce que c'est pas super intéressant. C'est original, oui, mais est-ce que c'est intéressant? Non. En tout cas, je vous laisse, mon téléphone va mourir. Je vous aime beaucoup, je vais me coucher, bonne nuit.